Hey guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, je te laisse, je te présente juste. Allez, je présente mon chat. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai eu un chat. Bref, on se sent. Je sais pas le sujet de la vidéo. Déjà, je voulais m'excuser pour mon retard. Beaucoup d'absence sur YouTube due à la rentrée. D'ailleurs, j'espère que votre rentrée s'est bien passée parce que ma dernière vidéo ne date pas d'avant la rentrée. Vraiment avant la rentrée, et là donc on est bien après la rentrée, on est un mois et demi, voire un mois et demi je peux, après la rentrée, et je vous tourne cette vidéo parce qu'on me l'a demandé 4 fois sur Instagram durant ce mois-ci, donc je vous la fais aujourd'hui, enfin oui du coup moi pour moi lundi mais pour vous dimanche, ou peut-être que je la posterai plus tôt si j'estime que j'ai d'autres idées pour dimanche. Et en ce moment, je suis vraiment à court d'idées de vidéos, donc désolée, je savais pas quoi faire. Et là, j'ai eu cette idée, morning routine, le mardi matin, pendant le cours. D'ailleurs, là, il est 22h30. C'est extrêmement rare, ouais, plus je me couche, extrêmement rare que, oh, ses yeux, que je me couche si tard. Mais c'était vraiment parce que aujourd'hui, j'ai mangé au restaurant, etc. Donc voilà. Et du coup, oui, j'ai eu un chat pendant mon absence, j'ai eu un petit chaton. Plume, elle s'appelle. Voilà, elle ressemble à ça, elle est trop belle. Regardez mon chat. Elle est trop chou. Trop soupinette. Mon petit chaton. Donc voilà, je la kiffe. Et je pense qu'elle sera souvent dans mes vidéos maintenant que je l'ai. Et du coup, je tenais à vous prévenir que j'en avais un. Maintenant que je l'ai, puisque dans mes toilet rolls, elle kiffe trop les fringues. Elle kiffe trop les vêtements, donc elle est plutôt sur mes vêtements. Mais regardez là, non mais. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Regardez où elle s'est mise. N'importe quoi. Et là, attendez, je vais essayer de zoomer. Bon, on peut pas. Mais trop choupinette. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ma morning routine du matin, le mardi. À toutes. Ok, donc là ça part en voix off. Donc bon, là c'est le matin, donc je me réveille. Donc là je vais ouvrir les volets. Bah du coup vous allez me voir là. Là je suis clairement en train de dormir, genre la fatigue dans mes yeux. Pff, le matin moi c'est dur. Coucou. Là je me frotte les yeux, genre là j'avais envie clairement de me rendormir dans ma tête. J'étais en mode laissez-moi dormir. S'il vous plaît, faites ça pour moi. Bon, allez, Mayan, on se réveille. Là, je prends mes lunettes. Je vais y tomber, d'ailleurs. Je tiens à le dire. Bon, les images sont un peu saccadées, j'ai l'impression, donc je suis désolée. Ouais, bon, là, bon, d'accord, Mayan, tu t'étires, c'est bon, on l'a vu. Là, je vais ouvrir ma fenêtre. Bon, on voit les fleurs, donc je suis désolée. J'aime bien respirer l'air le matin. Enfin, c'est frais, je trouve, genre. Là, je sais pas ce que j'ai fait, clairement, je viens à moi, R, je sais pas. Donc, voilà. Donc, là, voilà. Donc, là, je fais mon lit. En fait, le matin, j'aime bien faire le lit. Je trouve que c'est mieux de faire son lit dès qu'on se réveille. Comme ça, on se dit, allez, hop, ça, c'est fait. Une chose en moins déjà à faire. Et voilà, clairement. Désolée pour les plans, là. Voilà, clairement. Je me suis faite mal, je crois. Clairement, là. Ouais, non. C'est mieux de faire son lit le matin pour moi. Voilà. Bon, évidemment, je venais de me réveiller, donc ma tête, c'était pas vraiment ça. Mais bon, voilà. Hein. Ce plan, je sais pas ce qu'il c'est. Donc là, je vais prendre mon petit déj, donc des pains au chocolat. Il faut savoir que ce matin, j'avais pas du tout faim. Donc d'ailleurs, j'ai pas beaucoup mangé. Non, ouais, j'avais pas du tout faim. Non, pas du tout. Ouais, bon, désolé si vous entendez mon chat ronronner à côté, parce que elle joue avec des écouteurs, en fait, et elle ronronne. Donc là, le petit jus d'orange, hop. Bon, moi, je sais pas si vous êtes team jus d'orange ou lait le matin. Moi, je suis team jus d'orange, personnellement. Le lait, ça me donne grave mal. Ok, donc là, je vais reprendre le pain en voix off. Là, il est vers 9h, enfin, il doit être 8h30, quelque chose comme ça. Et là, donc, je vais faire ma skincare routine, en fait, le matin, du coup. Et le soir, j'en ai une aussi. Enfin, j'ai la même. Donc, pour ma skincare, moi, j'utilise toujours ce petit bandeau qui
Shein, chez Primark. Franchement, je le kiffe, il est trop chou en plus, j'adore. Aussi, bah, j'espère que vous pouvez rentrer, c'est bien parce que je vous l'ai demandé hier. Enfin, pour vous tout à l'heure. Mais voilà. Je suis trop fatiguée, moi. Bon, voilà. Du coup, je vais prendre mon petit produit pour laver le visage. Il est là. Alors, moi, pour me nettoyer le visage, j'utilise un nettoyant, désincrustant et anti-point noir. Voilà, on va faire comme les youtubeuses beauty. Voilà, donc c'est ça que j'utilise. Et ça vient de chez Yves Rocher, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est la gamme. Ouais, y a pas de gamme. Enfin, c'est des petits pots comme ça, trop bien. J'ai mon chat qui s'est rajouté dans la salle de bain, donc bah, si vous la voyez là, vous inquiétez pas, on la laisse, c'est normal. Bah, d'ailleurs, si vous entendez du bruit, c'est elle, soyez au courant. Donc là, je vais mettre ma petite éponge et je vais venir me laver le visage. On se retrouve tout de suite. Ah oui, mais du coup, la terre gênante. Bon, t'es sur l'objectif, poulette. Yeah! Oh, elle a tout cassé. Ok, donc là, je viens de me laver le visage. Maintenant, je vais mettre ma crème Sephora que j'utilise depuis déjà 4 ans. Ça fait beaucoup. Mais elle est toujours aussi bien. Donc, c'est la 3.0 que j'utilise. Et c'est celle-là. Alors, elle a des objectifs d'hydratement et de réparation. Ouais, ok. C'est mon chat, donc ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, je vais la mettre. Bon, la crème, c'est moins long que de se laver le visage, donc ça ne dérange pas de le faire en même temps que de filmer. Ça, vraiment, je le fais matin et soir, cette crème. Vous lavez mon visage, je ne le fais pas tous les matins. Je le fais vraiment comme j'ai le temps, au niveau du matin. Mais j'essaye, et puis voilà. Et comme, en fait, je ne me lave pas le matin, moi, je me lave tous les soirs. Sans exception, mais pas le matin. Enfin, le matin, en fait, c'est extrêmement rare. Ça arrive, ça a dû m'arriver une fois dans ma vie, une ou deux fois seulement, parce que j'ai la flemme de me laver le matin, j'ai pas le temps, donc voilà, je me lave le soir et c'est mieux, c'est plus pratique, je trouve, que de se laver le matin, de se laver le soir. Non, tu vas pas là. Elle voulait aller dans tous mes chouchous, bah, les trucs opinettes. C'est assis sur moi. Bon. Du coup, là, j'ai mon coiffé. Donc, comme aujourd'hui, j'ai sport, bah, j'ai mon coiffé vraiment rapide, on va dire. Enfin, genre, je vais faire une queue, quoi. Une queue basse, une queue haute. Je m'en fous, mais je vais faire une petite queue. Donc, là, déjà, bah, je commence par me brosser les cheveux. Logique. Qui se brosse pas les cheveux, je sais pas. Pas bon, en tout cas. Je sais pas vous si vous avez un chat, mais moi mon chat c'est typique. Elle gratte la porte pour vous sortir et une fois qu'elle sort, elle veut re-rentrer. Donc elle gratte la porte pour re-rentrer 12 minutes après avoir gratté la porte pour ressortir. Et quand elle re-rentre, elle gratte pour sortir. C'est quoi ce chat en fait? Voilà, ça va partir sur une queue basse, je pense. Et puis si je veux faire une queue plus haute, bah, je ferai une queue plus haute. En attendant, c'est une queue basse que je fais. Voilà, maintenant je me brosse les dents. Là, je suis dans mon cadre que je prends souvent. Donc là, ça y est, je me suis habillée, mais je vous ai passé les détails puisque je pensais que c'était pas super intéressant que vous voyez m'habiller. Bah, enfin, genre que vous voyez les vêtements. Donc, je vais vous montrer mon outfit. Alors j'ai sport, je vous ai dit, non, je me suis habillée hyper rapide, donc un haut comme ça blanc, enfin un col roulé que j'adore, et un leggings comme ça, basique,
Donc voilà. Et d'ailleurs, ce col roulé, il n'y a pas de chichaine pour une fois. Et le pardon, ce col roulé, c'est Zara. Et ça, c'est H&M. Voilà, je tenais à vous prévenir parce que vous l'avez jamais vu dans un try and haul et que tous mes hauls de Shein, mes try and bah, ce que j'ai fait, toutes mes commandes, je les ouvre en vidéo parce que vous aimez ça et que j'adore faire ça aussi. Bref, désolée si je regarde souvent dehors, c'est parce qu'il y a des gens qui passent. Enfin, en gros, de chez moi, on voit hyper bien le dehors et il y a des gens qui passent. Donc voilà. Regardez-moi, voici mes squats. Elle s'est mise sur ma chaise. Elle s'appelle Plume, elle est trop choupine. Ouh là là là, attention, tu vas tomber. Du coup, moi, le matin, j'ai l'habitude, en attendant que mon père vienne me chercher, il va venir aujourd'hui à 9h10, donc là, je sais pas, il est quelle heure. J'ai encore fermé ma porte qui est ouverte. Donc là, il est actuellement 9h03, donc je vais vous montrer. Voilà, 9h03. Ouais, il est 9h03, donc là, je vais attendre mon papa qui vient à 9h10 me récupérer devant ma maison pour m'emmener au collège parce que bah, c'est pas loin, mais il fait froid, j'ai la flemme de marcher. C'est 15 minutes à pied. Bah, c'est pas la mort, mais c'est chiant. C'est très chiant. C'est mon chat, elle ne plaît pas. Et je vous retrouve en voix off parce que, bah, je sais pas. J'aime trop faire des voix off en ce moment. Je sais pas pourquoi. Enfin, là, cette vidéo, j'aime bien faire la voix off. Je trouve ça hyper agréable de faire des voix off. Enfin, je sais pas. En fait, j'aime bien parler comme pas. En vrai, je pense que vous l'avez remarqué que j'aimais bien parler. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, je suis en fait en train de ranger mon lit, clairement. Bah, en vrai, on s'en fout un peu de me voir ranger mon lit, mais bon. Je sais pas, moi, quand je tourne mes vidéos, je m'en rends pas compte, en fait. Non, mais regardez tous ces cahiers-là. Oh, j'avais tout ça dans mon sac, c'est beaucoup. Oh. Ah ouais, beaucoup de cahiers. En fait, parce qu'il n'y a que 3 cahiers de français, quand même. Et juste, je voulais vous dire, en gros, moi, quand je tourne... Bon, là, je vous montre mon TP en anglais. Je vous montre mes affaires. Mais en fait, moi, quand je tourne mes vidéos, je me rends pas compte de ce que je fais. C'est-à-dire, des fois, je peux vous faire des vidéos inintéressantes, mais genre, j'ai fait 4 vidéos là. Mais inintéressantes. Genre, j'ai fait le montage, je me suis dit, mais c'est quoi cette inintéressant? Enfin, c'est hyper inintéressant, en fait. Ça va pas vous intéresser. Donc, du coup, je les ai pas postées. Mais en mode, je sais pas, ouais, non, j'ai peur à chaque fois de faire des vidéos inintéressantes. Donc, voilà. D'ailleurs, en ce moment, j'ai pas trop d'idées de vidéos, mais bon. Donc, là, je vais ranger mes affaires. Mais pourquoi j'ai ouvert ce tiroir, moi? Ok, je crois que je m'étais trompée parce que bon, je me trompe souvent. Bon, là, je vous fais coucou, entre guillemets. Mon chat s'incruste. Je sais pas si vous avez vu sa tête, mais bon, voilà. Sachez que là, ma chambre n'était pas du tout, mais alors pas du tout rangée. Mais genre, de base, elle est rangée. Et ah oui, et comme vous avez dû le voir dans ma vidéo Back to School, j'avais pas d'affaires de français, mais en fait, j'ai changé de classe. C'est vrai que ça, j'ai oublié de vous le dire, mais en mode, j'ai changé de classe. Bon, là, je vous parle, mais bon. De base, c'était pas censé être une voix off, ça. Donc, j'ai changé de classe. Et genre, bon, il y a mon chat à côté, donc désolé, je suis perturbée. Et parce que j'étais pas bien dans ma première classe, donc j'ai des affaires qui ont changé. Donc, si vous voulez que je vous fasse, je vous montre un peu mes affaires, bah, je vous les montrerai à la fin d'une vidéo ou quoi. Donc, dites-moi dans les commentaires. Parce que je crois qu'ils ont été réactivés, mais je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, pardon. Donc voilà, là j'ai fini de ranger mes affaires, je crois. Maintenant je range le sol et là on voit mon chat, mais j'adore sa posture, c'était trop chou. Donc là j'ai pris mes affaires pour les ranger et tout parce que j'aime pas faire du bazar. Il y a mon petit chat à côté, elle est en train de me bouffer, mais c'est pas grave, elle est trop choupinette. Donc moi, franchement, j'aime trop ranger ma chambre et tout. Je trouve ça grave agréable de ranger, je trouve. Enfin, le matin surtout, c'est détendant. Je sais pas si ça se dit détendant, je crois que je suis en train d'inventer des mots. Mais je trouve ça vraiment hyper agréable de ranger sa chambre le matin. Parce que, genre, je sais pas, ça motive. Et en fait, j'avais complètement zappé, mais aujourd'hui, j'ai une évaluation d'espagnol à rattraper. Donc, je prends ma fiche et je vais réviser.
Juste pour vous dire, cette année, moi, j'ai une nouvelle méthode de travail. Et là, je dois y aller parce qu'il est 9h10. J'ai une nouvelle méthode de travail. En fait, déjà, je fais plus de fiches que l'année dernière. Ça, c'est par exemple une fiche en art. Bon, c'est pas hyper esthétique, mais bon, c'est histoire d'apprendre plus simplement. Là, j'ai besoin de frise là, moi. Bon, voilà. Et dès que j'écris un cours, je l'apprends, je le relis, etc. Et là, actuellement, j'ai 17 de moyenne, malgré qu'on ait fait 7 ou 8 contrôles déjà. Donc, je suis trop contente parce que ça a marché pour moi. Donc, j'espère que ça marchera pour vous si vous faites cette méthode. Il est 9h10, mais je vais quand même prendre ma fiche d'espagnol. Je pense que c'est un contrôle d'espagnol. Elle est là. On en a deux parce qu'il y a beaucoup de mots. C'est ça. Là, je vais y aller. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et n'hésitez pas à partager ma chaîne sur vos réseaux sociaux. À bientôt!